Ton activité n'ira pas pour le mieux seul. On vous parle que mets le business, achète le truc, la marchandise, tu déposes, ouvre le magasin. Tu fais tout. Mais tu oublies de travailler pour que ton business marche. Il y a une énergie là-dehors qui ne veut pas que ton business marche. Monsieur, ne dormez plus. Aujourd'hui, tout le monde pratique. Avec TikTok, les astuces qu'on vous montre en ligne, tu ne sais même plus qui est qui. Peut-être ton voisin d'à côté, là, il a bloqué ton business. Quand tu es là, tu es simple, simple. D'après, il y a. Tu as des règles à suivre. Tu dois jeûner constamment. Tu dois être spirituellement, tes oreilles doivent être prêtes pour écouter. Don't just wait. Oh, j'attends. J'ai mis la marchandise, j'attends les clients. Oh my goodness, no. Ton commerce ne marchera pas seul. Il y a même parmi vous que si tu vois que tu ne vas pas travailler sur toi quand tu lances le business, bêta, tu gardes ton argent à la banque. Laisse dans ton compte d'épargne. Au lieu d'investir tout. Après, tu restes comme ça. C'est pour ça que mentalement, les entrepreneurs souffrent beaucoup. Si tu dépenses 100 000 pour ton business, 40 000 au moins, pour maintenir ce business, que ça coule. Je vous parle, n'écoutez pas. Restez là-bas, vous dites, est-ce que ça va marcher? Est-ce que mon visa va marcher? Tu demandes le visa, tu es là, tu restes comme ça, tu ne fais rien sur toi. Ta mère a failli voyager, elle n'avait jamais voyagé. Ta grand-mère a failli voyager, elle n'a jamais voyagé. Il y a un esprit dans ta famille qui ne veut pas que vous voyagez. Tu veux savoir si en déposant le visa, tu auras... Dépose le visa, tu restes comme ça, tu as compris, tu attends. Tu as compris, non? Restez là pour vous dormir, pendant qu'on vous bloque.